Bonjour et attention, boop 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 boop. C'est plus dur qu'à la main, c'est plus dur qu'au clavier de faire le boop 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 boop. Bref, Shantae, Half Genie Hero, 86%. Oh mon dieu, petit spoil. Après, on fera ça ou ça, probablement les deux. Et ouais. Et aujourd'hui, encore plus de backtracking. Lui, on lui a ramené sa puce électronique. La Mobaron, on lui a ramené de la ferraille. Le Squid, on lui a ramené un poster de lui, ce qui c'est un choix. Et il nous reste à trouver une âme noyée. Et pour ce faire, nous allons aller au magasin qui en vend sûrement. Non, on a tellement de sous qu'on va acheter ce qui reste à acheter. Alors, cimetière, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est pas achetable, trop cher. Et le miroir. Ok, carrément. Yeah. Pas de limite dans les items. Hein. Ça, ça donne. Ouais, tranquille. Ah ouais. Et tant que je le garde actif... Ok. Est-ce que je peux le diriger ou pas? Non, c'est... Ok, ben on va rester sur le lance-flamme parce que... Non, on va rester sur les cimetières parce que ça a l'air rigolo. Et donc, aujourd'hui, on va trouver une âme perdue, noyée et probablement isolée derrière une algue ou une chose comme ça. Et elle se trouvera être dans... Bah ici. Parce qu'on est à 6 sur 7. Là, on a tout. Là, on a tout. Là, on a tout. Il nous manque deux choses. Elles sont dans la même zone. C'est bien. Le seul inconvénient, c'est que j'ai déjà parcouru tellement souvent cette zone que je commence à me poser la question sur où ça peut être. Mais à part ça, c'est bien. Alors, on va essayer de chercher un peu en hauteur. Parce qu'en profondeur, ça, c'est... Ah mais je suis con, une âme noyée elle va être sous l'eau quoi. Yeah. J'ai peut-être simplement raté une salle où il y a les deux trucs en même temps. Au passage, je vois pas ce que peut être le deuxième objet qui me manque. Mais... Yeah. Ah mais c'est super efficace en fait ça. Ça marche pas dans l'eau. Ah ah, ok, je viens d'avoir une idée évidente. Youh. Et ben voilà, ça c'est fait. Donc un item qui sera la griffe de Harpie pour attaquer en Harpie. Ça nous manquait. C'est vrai, on les a eu pour toutes les autres en fait. Ah ouais, carrément. Donc la bonne nouvelle, c'est que ça, c'est fait. Et du coup, il nous reste plus qu'à trouver une âme noyée, toute simple, toute seule, toute bête. Qui est là? Sérieusement, on a fait dans la zone, on a fait tout le tour. Regardez, on va redescendre. On a fait tout le tour de ça, on est allé à droite, au-dessus, en dessous. Elle était juste au milieu. Posé derrière un caillou avec une perspective qui empêchait de la voir. C'est pas grave, en même temps c'est bien, ça va nous permettre d'enchaîner sur la suite du jeu. Un peu énervant quand même, personnellement. Par contre le coup de la sirène, ça c'est vrai que je le savais pas avant, donc forcément je l'ai pas vu. Scuttletown, Scuttville, ce qui veut sûrement dire quelque chose, mais bon. Et j'entends le bruit de la manette dans le casque, ça doit être assez atroce. Les bains! La magie. Et toi, tu voulais des âmes noyées. Des âmes noyées, pose-les à mes pieds! Je viens de me souvenir que j'étais un personnage comique. Et du coup, la voix comique. Oui. 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 Le ruban. Ça reste très présentable quand même. Cet objet est un ornement de pure haine.
Merci. Bonne chance pour construire ton empire de la crainte avec une voix comme ça. Non. J'aurais peut-être dû lire les indices juste pour voir les erreurs de traduction. Mais bon, je pense qu'on a assez tapé sur ce jeu pour ce problème-là. Le jeu est nickel, hein. C'est juste que c'est traduit à la pisse, quoi. Ça va pas. Et donc ce ruban est plein d'huile. Non, de soufre. Non, mais t'as tous les items, là, c'est bon. Un moment. C'est juste une question de savoir où elle est allée. Non, peut-être. Amplifier le contreflux. Croiser les effluves. Vous avez obtenu Polarisateur magique. Qu'il avait dans la poche. Comme ça. Hein? 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 Mais oui, ça va marcher. Ouh! Comme à chaque fois. Je prends ça pour un compliment. Toi, t'as quoi à dire sur le sujet? Il y a une erreur dans le nom d'un des personnages. Non mais... Il y a aussi une erreur à la fin de la première ligne. Oh mon dieu. C'est con, comme je le disais la dernière fois, je suis pas une flèche en français, mais... C'est tellement monstrueux les fautes qu'ils ont dans la version, dans la trad française, quoi. C'est que du texte, hein. C'est-à-dire que le gars, il a vraiment juste pas relu son truc. Parce que c'est impossible qu'un gars qui sait lire le français laisse passer ça, je veux dire. Allons-y. Probablement la vidéo finale, avant la suite. Wish. C'est l'endroit. Un dernier mot d'avertissement. Oui, donc le royaume Gini va nous détruire. Hésite, tombera dans l'obscurité. Tout à fait, tout à fait. Oui. Tout le royaume compte sur moi. En même temps, on a tous les items, on aura probablement la bonne fin. Pas de soucis. Mais je vais quand même aller voir sous l'eau s'il n'y a pas quelque chose. A priori, il y a la suite du jeu. Tout simplement. Ouais, carrément en fait. Mais je vais quand même aller voir là-haut s'il n'y a pas quelque chose. A priori, il n'y aura pas la suite. La suite du jeu. Mais... Wesh. Eh ben non. Donc, sirène. Le crabe est mignon, mais j'ai besoin de flexibilité, d'agilité sous-marine. C'est un auto-scroll. Donc, j'ai vraiment bien fait de pas venir avec le crabe. Je crois que le crabe peut se protéger. Je peux pas rester appuyé. Ah! Ah ouais, c'est des... C'est un shooter, en fait. C'est un bonus, l'étoile. L'équipe de natation. L'achievement que tu vois pas arriver, quoi. Ralliez vos ennemis pour détruire vos ennemis. Sous l'eau. J'arrête pas de prendre des coups par contre. L'explosion est super large pour les étoiles, les petits machins quoi. Ok. Oula. Comment je vais passer ça sans me faire mal? Oui, j'aurais peut-être pu avoir l'explosion qui marchait, mais. Enfin, qui aurait suivi, mais. Le temps d'arriver jusqu'aux ennemis, c'était juste pas possible quoi. Alors, vous les gars. Vous allez juste mourir. Ce sera très bien. Là, heureusement que j'ai un max de vie parce que je fais n'importe quoi.
J'aime bien, on les tue pas les Tinkerbat. Ils renagent à la surface, même s'il y a un mur de rocher au-dessus d'eux. Bah, faut que j'arrête de prendre des coups. Ouais. L'explosion est vraiment très très large, quoi. J'aurais pu venir avec le crabe, apparemment. Ça aurait été rigolo. Non, il faut vraiment être en avance sur le niveau, là. Pour pas être pris dans l'explosion. Faut voir qu'avec les autres derrière, c'est vachement plus facile, en fait. Parce que j'ai le triple tir à chaque fois. Elles vont me suivre ? Non. Non, non. Elles restent dans l'eau, les étoiles de mer. Ouais, elles vaut mieux, là, ouais. Non, y'a rien là-haut. Pardon. Ça prendra. Ah, d'ailleurs. J'ai peur que ce soit un peu facile comme ça, en fait, le jeu. On va pas abuser de la magie. Ok. Ça, c'était bizarre. Ça, je ne peux pas l'arrêter. What? C'est pas la peine de mettre un bateau sur une grosse bestiole. À mettre une selle, ça suffit. Ouch. Oh, le timing de mauvais. Ouch. Le timing de très mauvais. Oh là 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 là. Ah ben heureusement que je suis super puissant parce que... ce serait moche sinon. Ça c'est pour le singe ça. Ouh la harpie. What? Oh! Ah ouais, carrément. T'as même le côté du pic qui te tue d'un coup, quoi. Par contre, c'est un peu bizarre de nous faire respawn au début et qu'il n'y ait pas un seul ennemi. Alors, je comprends que c'est pour pas augmenter la difficulté, mais... mais quand même. J'irai essayer en volant ou avec le singe. Allez, va pour le singe. Ah, il va peut-être mieux avoir le singe, oui, effectivement. Il y a chaud, hein. Non, c'est bon. Oh, alors toi, attends. Beaucoup trop loin, c'est dommage. On va pas sauter trop. Aïe. J'aime bien parce que les gars, c'est un peu de la char à canon. Non, c'était pas ça que je voulais, c'était... aïe. Je voulais faire ça avec classe, mais... voilà. Cela étant dit, je vais peut-être devoir y aller à l'arbre. Non. Le singe devrait suffire. Non. Parce que là, l'harpie, je sens qu'il n'y a pas la hauteur pour le faire, en fait. Je sens qu'il n'y a vraiment pas la hauteur pour le faire. Et je sens que c'est vraiment pour le singe qu'on est là, quoi. C'est marrant de nous faire abuser des transformations comme ça, mais en même temps, il faut bien à un moment qu'on s'en serve. Ok, ça, ça va être compliqué. Ouch! Merci d'être venu, les gars.
Votre contribution a été essentielle. Il y a l'impression qu'il y a quelque chose là-haut. Non. On dirait, hein, sur le bord de l'écran, mais... Ils ont pas peur quand même, hein. Ils ont tous leurs collègues devant eux qui ont littéralement explosé. Non, non, ça va, c'est cool. D'ailleurs, les Tinkerbats sont faits de magie noire. J'ai un inverseur de magie. Est-ce que je pourrais pas m'en servir à un moment? Non, demi-tour, 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 demi-tour. Ouch, foiré. On va essayer comme ça, mais je pense que ce sera pas la bonne méthode. Remarque. Ok, c'est peut-être la bonne méthode. Ouh. Il est mort. On va re-essayer comme ça. Je pense toujours que c'est pas la bonne méthode et qu'il faut y aller à la chauve-souris. Ah ouais, carrément. Genre maintenant, je monte carrément à la hauteur que je veux, quoi. On va essayer avec la chauve-souris, ça me semble beaucoup plus sûr. Non, c'est juste impossible en fait à la chauve-souris. Je me rends compte maintenant. Hey, il est... Ah ouais, parce que je l'ai pas tué. Il est tombé dans la lave, donc il est revenu. C'est mignon. Non, non, non. Ah, les pics qui one-shot. Mais one-shot très très fort. On va juste être très attentif. Elle glisse tellement, même en l'air, la harpie, c'est scandaleux, quoi. Oh là. Ouh. Petite pause. C'est pour le singe. Clairement, aucune chance de faire ça avec la harpie ou la chauve-souris. C'est une drôle de gueule quand elle charge quand même. C'est rigolo. What? Oh, l'autre derrière. Je pensais que j'avais bien géré pour une fois, mais non! Fais de la merde! T'apprends à me faire chier, moi. Ok. Est-ce que la harpie est la bonne réponse? Je peux m'arrêter en l'air grâce à l'attaque. Ce qui me semble être un super choix. Non! Je m'étais arrêté! Elle s'était retournée! Oh, c'est... Parfait! Ouh putain! Non! Ah ouais, c'est pas le first try, hein. C'est très exactement l'opposé du first try. C'est le... J'essaie d'aller vite. Apparemment, faut pour. Bon. Oh, je me suis trompé de bouton. Il y a un bouton qui fait ça et l'autre bouton qui annule la transformation. Je vous laisse deviner l'erreur qui a été commise. C'est rude quand même comme zone, hein, niveau plateforme. Je trouve. Ah,
Pourquoi est-ce qu'elle a une inertie comme ça? Ça n'a aucun sens. Et tout le reste du jeu se contrôle super bien. Et elle, elle a une inertie, mais un truc de malade. Je suis obligé d'utiliser l'attaque pour m'arrêter. Ouh! C'était juste à la fin. Et en plus, je suis sûr que ça va être juste à la vraie fin, quoi. Voilà, sauvegarde. Ah, la galère, quoi. On dirait que je tiens le bambou. Et pas le bambou. Et donc, je peux re-sauvegarder au cas où. Push. Ah ouais, carrément. Allez. Rescue Boots. Qui a son collier, ses menottes, sa boucle de ceinture. Et c'était quoi le quatrième truc? Son bandeau, je crois. Arrête-toi juste là, non, mais quelle traduction en vrac. Mais si. Arrête de rire, tu es méchante. Tu vas souffrir le martyr. Ce sont les soins quotidiens de mes Tinkerbots. Travailler sans relâche pour travailler pour déverrouiller le potentiel de... là, il y a deux phrases avant, ça n'allait pas, mais... Et donc elle va me retenir. Enfin, elle va essayer. Reine des sept mers. Il y a sept mers sur Sekinland. Elle va sûrement m'attaquer. Même pas mal. Ouch. C'est... Ok. Alors là, j'avoue, j'utilise le cimetière. Ça me semble super utile pour gagner du temps. Ouch. Elle varie trop son pattern, mon dieu. Ok. J'aurais dû me baisser. Eh, on pouvait faire ça dans le jeu précédent. Quoi? Non mais ça va, ouais. Non mais vous êtes pas bien, les gars. En plus, vous vous faites balayer. C'est pas sérieux. J'ai bien fait d'acheter le doubleur de magie, enfin l'économiseur de magie. Parce que là, du coup, ça dure super longtemps. Et j'ai pas esquivé. Ouais, là, fallait pas. En fait, quand elle le tient à deux mains, elle fait le... Quand elle le tient à deux mains, elle fait la petite boulette. Et à une main, c'est les trois boulettes. Elle a de la vie, cela dit, hein. Alors, ça tombe depuis tout à l'heure, quoi. À une main, c'est les trois boulettes. Pirate tabassé. Ah, c'est méchant, ça. Mais c'est en même temps, elle a un peu cherché. Hein. Donc, elle explose, mais ne meurt pas. Petite traduction. Ah! En fait, elle me retenait le temps que les autres terminent la machine. La phase finale de mon plan est la suivante. Un ascenseur! Ouais. Ah, c'est plus que c'était, les pirates. Look. Ce qui se traduirait plus par regard qu'autre chose, parce qu'il n'y a pas de vouvoiement de la part de Rescue Boots, mais bon. Ah oui, elle a rendu le truc vivant. C'est son trip, hein, les bateaux vivants, les dynamos vivantes. Ok. Alors. J'ai le casque qui se fait et évidemment le fil n'est pas accessible. Et évidemment j'ai dit ça loin du micro, donc a priori ça n'a pas eu. L'effet escompté, peu importe. Oh 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 oh. Et donc, je vais me battre contre la dynamo.
Ok. Tinker Brain. Ça, c'est comme Mother Brain. Est-ce qu'il y a un moment où j'ai... Comment ça s'appelle? Ouch. Est-ce qu'il y a un moment où j'ai le... Le machin qui sert ou pas? Le machin de magie noire, là. Ok, donc on va juste pas se prendre le coup, parce qu'apparemment on peut pas... On peut pas le renvoyer, ça, mais... Sérieusement? C'est quoi ce saut qui est... Oh, ok. Ça... Attendez. Si je cours dessous, ça trop ra... c'est trop court. Ok. Ouh, putain. J'ai pas compris comment on était censé esquiver la roulette, en fait. Ok. On peut pas... C'est n'importe quoi. C'est un coup, c'est dessous, un coup, c'est dessus. Ah, il change littéralement de côté quand moi, je change. Ok. Ok, je vais laisser se visser jusqu'au bout. Ok. Alors, on va laisser le truc se visser jusqu'au bout. Non mais sérieux, le dernier saut qu'a fait la boue, la roue là, c'est n'importe quoi. Vite, vite. Et deux. Je pense pas pouvoir en faire deux en même temps. Voilà, là j'aurais pu passer dessous, mais il y avait rien qui l'indiquait. C'est n'importe quoi. Et deux, trois. Oui, bah je continue, hein. Il y en a 5. On va pas y arriver. Si, on va y arriver. Allez, rebalance-moi une roulette dentée que je m'entraîne. Non, toujours pas. Ça a pas compté. Oh non. Sérieusement, c'est quoi le rythme pour... Alors j'ai l'impression que la hitbox du truc est tellement large en fait que... Qu'elle soit en haut ou en bas, je me prendrais forcément le coup de toute façon quoi. Genre là je peux sauter, je la prendrais quand même. Enfin j'aurais pu sauter, je l'aurais prise quand même. Faut que je fasse quoi? Que je sorte l'harpie, que je vole? Je peux le faire, hein, mais ça me semble un peu cheap quand même. Ok. Donc, un côté. Côté suivant. Rien à foutre. Voilà. T'es content, j'espère, le jeu. Oh, deux d'un coup. M'en fous, je vole. Oh merde. Bon, un d'un coup. C'est assez limite ma méthode. Allez, on y est presque. C'est la suite. Parce qu'on voit la vis se remplir, donc... Ah, dommage. Non! J'ai marre de me prendre des coups. Deuxième œil.
Et voilà. C'est vachement facile. Premier coup. Bon, j'avais toute la vis qui a été utilisée à plus de la moitié. Mais premier coup quand même. J'ai même pas utilisé l'inverseur de magie en plus. Ouh, on a eu chaud. À mon avis, c'est pas tout à fait exact. Tu t'es battu vaillamment et attends t'as complé. Pour rien. Et c'est. Oui. Non, c'est toi. Je crois qu'il y avait même un dialogue qui était mal attribué là. Bonjour, 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 bonjour. La part de tous les royaumes génies. Merci, c'est cool. Non. Ah ah. Alors là, la phrase ne veut rien dire en français, hein, je tiens à le dire. Il manque quelque chose. Genre, tu dois faire le nécessaire pour assurer la paix, quelque chose comme ça. Risky Boots. Nope. Nope. Mais non, mais on l'a battu, la machine. Et puis on a un inverseur de magie, enfin, les gars. Oui. Non. L'enregistrement de ce sample a dû être magnifique. Je dois détruire le royaume. Non, tu as un inverseur de magie noire. C'est peut-être quelque chose qui est plus utile. Ok. Ouch. Ouch. Ok, donc. Je vois clairement. Ok, je peux plus les attaquer en fait. Je vois clairement qu'il y a le bouclier qui a un trou, hein, c'est d'une évidence. Mais après. Ah, faut peut-être que juste que je les finisse en fait. Voilà, et de deux. Ouch. Pas chic. Allez, perdez votre bouclier, l'un de vous. Toi, apparemment. Ou pas. Si, toi. Ça y est, tu t'es décidé. Donc ça, c'est fait. Peut-être qu'il faut pas que je me fasse toucher après, entre-temps, mais... Ça fait 3. Tu vois, si tu pouvais perdre ton... Aïe. Mais... Je peux faire ça. C'est dans mes cordes. Okay. Donc je sais pas quand il va m'en falloir, mais apparemment pour l'instant je peux faire ça. Ok. C'est juste pas chiant quand vous réapparaissez en boucle. Oh. Mais à chaque fois que je me fais toucher, je sens que ça... Et ça vient de l'autre côté de l'écran, donc je peux pas le voir à chaque fois. Enfin, d'où il n'aura pas relu. Ok, je vais juste essayer de les faire dans l'ordre. Ou peut-être à un moment...
Ok, il me faut un génie disponible, s'il vous plaît. Peut-être attendre qu'il y ait le miroir, le bouclier qui soit ouvert ici. Face à moi. Eh oui, évidemment, putain, je suis con. Parce qu'en fait, je tire le truc dessus. Et donc, il faut qu'il y ait... Voilà. Ça va être beaucoup plus facile maintenant que j'ai compris comment ça marche. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Ah ouais, là c'est tranquillou. Tant que le pattern ne change pas, ça sera nickel. Par contre, j'ai déjà battu cette machine, donc je suis un peu... ça m'a pas l'air d'être de la bonne couleur, ça. Ça avait pas l'air d'être de la bonne couleur. Normalement, c'est tout blanc. Ok, il me faut un génie disponible, s'il vous plaît. Putain, je vais peut-être mourir, hein. Je perds beaucoup de vie, en plus. Ok. Ouais, non, il y a un moment, arrête de tourner. Oui. Tu ralentis, ce mec. Oh, bordel. J'ai sauté, là. Ah, j'avais sauté, je croyais, mais... Jamais ça marche. J'ai sauté. Enfin, au moment où tu le vois, le truc. Non, bien sûr, continue. Au moment où tu vois le truc, tu sautes. Il va tellement vite qu'il te touche, quoi. Oui. Oh non, me dis pas que je dois... Oh non. Oui, merci. Ah merde. Oh, sérieusement. Allez, c'est quand tu veux. Non, j'ai... On ralentit un peu plus. Oh, le timing de mauvais, quoi. Il me faut un truc accessible, là. Quoi ? J'arrive pas à les éviter, les trucs. Attends, j'ai pas un bouclier quelque part à un moment. Il devrait être utile pour ce genre de situation. Non. Il aurait fallu que j'achète l'invincibilité, ce qui n'a pas été fait. Trop tard. Je sais pas combien de coups il faut, mais... On va les mettre. Eh bah, c'est bon. Non, mais ça m'a arrêté dans le saut en plus. Mais je suis en l'air quand ça me touche, bordel. C'est absurde. Allez, un génie clé. Je suis en l'air.
J'étais trop tôt en l'air là, je l'ai vu arriver le truc, j'ai sauté. Rien à foutre, j'ai plein de vie. D'ailleurs, voilà, je connais la magie, c'est pas pour rien. Aïe. Putain, elle est à fond la machine. Ah, trop tôt. Dommage, ça ralentit sur la fin. Voilà. Je t'ai vu arriver, toi. Toi, non. Toi, oui. Oh, elles font mal aussi au contact. Ah non, mais attendez, il y a un moment... On peut pas avoir des yeux sur les 5 génies et en même temps là où on saute et le bouclier derrière. Surtout s'il y a un moment il faut que le méchant il meure quoi. Parce qu'elles attaquent tout en même temps maintenant. Ça devient con. Putain. Quoi ça sert de sauter quoi. Parfait! Destructeur de cerveau. C'est un zombie? Roti Tops? C'est frère? Non, c'est le bon génie! Pardon. Voilà, donc t'es contente? Espèce d'imbécile! Ouais, bah je t'emmerde. Hein. Fallait pas essayer de me tuer au bout d'un moment. Il y aurait la satisfaction de t'envoyer directement dans ta tombe ardente! Je sais voler. Alors il y a du boulot. Ok. Je dois sortir d'ici. Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le hamster zombie. Oui. Il était dans la dynamo à la base. Est-ce que je vais pouvoir juste voler hors d'ici? Non? Oui? Non? Non! Un peu de glissade sur les fesses? Youhou! Oula! Ça prévient plus cette fois par contre. Je sens qu'il va m'arriver un truc dans le dos. Ou pas? Oui! Un mur de lave. Bon, ben on va... On va gérer ça comme on peut, hein! Non, accroche-toi. Parfait. Ou pas. Je sens que c'est la séquence que je dois refaire un certain nombre de fois. Et voilà. Parce que ces anneaux, ils sont très picky sur leur hitbox. La zone où on peut les attraper. Très, très picky. Pas grave. J'ai une mission. Je dois sauver le hamster zombie. You. Royou. Parfait. Olé. 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 Ok. Bon. C'est vraiment très picky les anneaux, vous avez vu? Voilà. Vite sur l'étage en dessous. Ils étaient décalés par rapport à moi, donc du coup, mais je comprends le principe de faire réagir le joueur vite, mais quand il n'y a aucune indication à l'écran qui le prévient qu'il va devoir réagir très 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 vite, genre les anneaux sont pas longs, les. Il y a les deux bandes, la bande où les deux niveaux d'anneaux se croisent, elle est pas épaisse. Et là, il n'y avait pas d'anneau pour s'accrocher au-dessus de moi. C'était juste, il n'y en avait pas. En plus, le random s'y met, quoi. Je suis obligé d'utiliser le fait que je connais à l'avance ce qui va me tomber dessus.
et c'est pas bon. Au niveau design, c'est pas bon de... Alors, ça veut dire que le joueur est obligé de mourir une fois ou deux avant de minimum. Parce que je veux dire, si je reste collé au bord, de la... au bord droit de l'écran pour choper les anneaux plus vite, s'il y a un troc qui arrive, je tombe. C'est pas du très bon design. Parce que du coup, si je reste à gauche pour pouvoir anticiper les trous, sans connaître le niveau par cœur, bien sûr, bah, je peux pas choper les anneaux. Et donc le fait de devoir connaître le niveau avant de pouvoir le faire correctement, c'est pas génial. Voilà, là j'ai sauté sur les anneaux deux fois, mais non. Ça a décidé que ça n'était pas bon. On s'avance. On chope les anneaux. Ensuite... Ah, ça descend tout seul dessus cette fois. Très bien. Donc là, on reste en arrière, mais pas trop, parce qu'on a un mur de lave au cul quand même. L'air de rien. C'est quoi ça? Mais attendez, mais c'est même pas une question de bon ou de mauvais design, là, c'est juste des trous du cul, les gars. Attendez. Tu dois prendre un saut, tu dois savoir que la plateforme sur laquelle tu vas arriver n'est pas assez longue. Et donc, tu dois faire un petit saut. C'est du Kaizo Mario à ce stade, hein. C'est pas vraiment ce que j'attendrais dans un jeu comme ça. C'est limite, la prochaine plateforme, il y aura un bloc invisible qui apparaît quand je saute pour me faire tomber dans le vide. Il faudra que je le sache. Juste comme ça. Là au moins la plateforme, même si elle est courte, elle te laisse une chance de pouvoir réagir. Ok, est-ce que ça va marcher tout seul cette fois aussi? Oui. Au moins ça c'est acquis. T'es à quête. Désolé. Ok, donc là, petit saut. Je sais pas ce qui arrive après, donc je vais encore mourir. Petit saut. Je fais que des petits sauts maintenant. Il y a un moment, il faudra faire un grand saut. J'aurais fait un petit saut, je mourrai. Il faut des anneaux. Ouh là là. Je sais pas ce qui arrive. Je ne sais pas ce qui arrive. La fin de la séquence. Wouh! Hey, Quentin! Elle a failli mourir brûlée. En fait, techniquement, elle est plusieurs fois... Enfin bref. Mais, hé, Quentin. Ouh. La victoire sourit aux gens qui gagnent. Ouh. On a eu chaud. Et c'est pas toi qui étais dans la lave. Hein. Merci pour le transport. Sauf que je t'ai volé. Coucou. Une nouvelle fois. Tu t'inquiètes pas. L'expression est techniquement juste, mais bon, les mecs, là... Le maire. En même temps, elle est jamais partie, donc. Vaut mieux pas. Non. Oui. Au nouveau J. Parce que bien sûr, une petite faute avant la fin. Tip top. Kids. Oui, bah oui, c'est pas grâce à toi, hein. Cela dit, on n'a pas utilisé l'inverseur de magie à ma connaissance. Pourquoi? Après ça, je vais chercher la caravane zombie. On wagon me manque. Mon wagon, pas on wagon. Road trip zombie.
Mais sérieux, on n'a pas utilisé l'inverseur de magie au final, c'est con. Régime spécial. Et donc, la conclusion épique typique. Oh là là. Ok. 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 Elle a dû poum poum la machine. Attends, c'est des génies, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ah oui, parce que probablement quand on pétait les génies, en fait, ça transformait les boules en énergie blanche. Et donc ça marchait, quoi. On my mom. Oh, elle est en vie, elle est en bonne santé, et loin, surtout. Rester ici, pouvoir repousser, chercher pénétrer dans le monde, partir, protéger. Tu ne serais jamais seul. Mais si, peut-être. Et voilà. C'est l'heure du festin. Le banquet. Ça me fiate penser. Et plein quelque chose qui s'appelle un Vella. Enfin, en même temps, je vole, je suis transformation crabe, sirène. Bon, le vélo. Et donc, le génie qui est là. Salut, casse-toi.